une image et une question autour du débat de ce dimanche. L'image, le nouvel homme fort de la Guinée, colonel Mamadou Doumbouya, il a pris le pouvoir ce dimanche à midi. Toutes les institutions sont dissoutes, la constitution suspendue. Et la question, c'est au Mali, à quoi sert désormais un mandat de dépôt? La question sur toutes les lèvres depuis le vendredi dernier, lorsque des policiers ont tenté de libérer un de leurs inculpés dans les tueries des 10, 11 et 12 juillet 2020. Ces questions, on va les poser à nos invités, Maître Cheikh Omar Konare, avocat. Maître, bonsoir. Bonsoir. Mohamed Maïga, DG à Libère Conseil. Merci, Mohamed. Youssoufo Sissoko de Info 7. Tchambel Guimbayara de La Voix du Mali. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. En Guinée, le pouvoir a un nouveau visage. Le colonel Mamadi Doumbouya, le commandant du groupement des forces spéciales, et ses hommes ont pris le pouvoir. Ils ont mis un terme au régime d'Alpha Condé. Avant d'entrer en studio, nous avions joint en fin d'après-midi notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Malik, tout est allé très vite, même si la rumeur courait depuis hier soir. Bonsoir Tangara, ce matin tout est allé très vite à Conakry, c'est aux environs de 8 heures que les tirs ont retenti au centre-ville de Conakry, c'est-à-dire à Kaloum, là où se trouve la présidence de la République. Quelques minutes après, des blindés quittaient la haute banlieue pour regagner la ville. L'entrée principale de Kaloum, pour ceux qui connaissent la ville de Conakry, est complètement barricadée par les forces de l'ordre. Nous avons pu avoir au téléphone le chef des forces de l'ordre, c'est-à-dire colonel Doumbouya, qui nous a confirmé au téléphone que exactement le président guinéen a été arrêté par ces hommes. Quelques heures après, une déclaration est passée à la télévision nationale. Les putschistes ont fait une déclaration. Ils ont dissous la constitution. Ils ont dissous les institutions du pays. À cet endroit, nous avons pu rencontrer dans une interview exclusive le colonel Doumbouya qui nous a confié que le président a été arrêté et qu'il est dans de bonnes mains. Il est en lieu sûr. Et il a même rajouté dire que son médecin venait à peine de le consulter, donc l'état de santé était très bon. Ses forces spéciales étaient en train de s'organiser pour redescendre en banlieue, c'est-à-dire en haute banlieue vers Forêt-Caria, là où se trouvent les bases. Où se trouve le président Alpha Condé? La question leur a été posée, aucune réponse, seulement dire que le président est en lieu sûr. Tangara, il faut rappeler que ce soir, dans la ville de Conakry, la situation est relativement calme. La population qui était sortie applaudir les forces de l'ordre sont rentrées chez eux. Il faut rappeler que Mamadi Doumbouya est le chef du groupement spécial des forces de l'ordre, une force qui a été connue par le peuple de Guinée le 28 septembre dernier lors du défilé de la fête d'indépendance. Ils ont été constitués spécialement pour lutter contre le terrorisme dans le pays. Et aujourd'hui, c'est eux qui se réclament les nouvelles hommes forts du pays. Voilà, Malik Diakité, notre correspondant en Guinée, qui nous avions joint avant d'entrer en studio, justement, le nouvel homme fort du pays, le colonel Mamadou Doumbouya, qui a fait deux apparitions, la première sur les réseaux et la seconde sur les antennes de la télévision nationale. Un extrait de cette apparition. Ah, nous venons tous du peuple de Guinée. Je vous remercie, le gouvernement de Guinée. Je sais qu'on est capable de prendre notre destin en main. Et nos anciens qui sont morts, ils pourront être fiers de nous. J'espère que cette fois-ci, nous allons arrêter de se battre pour rien. Car la Guinée, elle est belle. Nous n'avons plus besoin de violer la Guinée. On a juste besoin de faire de la faire l'amour. Tout simplement. Je vous remercie. Voilà, le colonel Mamadou Doumbouya, pour être tout à fait complet, juste avant cette apparition, la première, c'était sur les réseaux sociaux. Hein. Je ne sais pas si on peut suivre celle-là avec la régie, Omar. Guinéens et Guinéennes, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine et Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à
prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, la République, nous avons décidé de dissoudre la constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun, à ce qui le concerne, de rester dans les casernes et continuer leurs activités régaliennes. Nous n'avons pas, on ne va pas reprendre les erreurs du passé. Nous allons nous concentrer sur... Voilà, Mohamed Maïga, Alpha Condé out, colonel Mamadou Doumbia in, le pouvoir a un nouveau visage en Guinée-Conakry. Bonsoir, Sékou, merci pour l'occasion. Effectivement, ça a été très rapide, comme le dit votre correspondant. Ce matin, on se réveille avec l'annonce et puis quelques heures après, deux heures après ou trois heures après, on finit par dire que voilà, il y a eu un coup d'État. Mais ça voudrait, je pense que ça mérite en fait des questionnements de fond. Aujourd'hui, dans l'espace CDAO autour, il y a quand même les militaires qui prennent un peu le pouvoir un peu partout, parce que finalement, il faut réfléchir aussi dans ce sens. Alors, ça veut dire quoi? Je pense que le colonel vient de citer un certain nombre de choses qui ont conduit en fait à cet acte-là. Et je pense que ce sont ces différents éléments-là qu'il faut apprendre à analyser. Finalement, la corruption, la gabegie financière, les questions de justice, les questions de pauvreté, les questions économiques, les questions de développement de façon globale, ces questions-là ne sont pas finalement des questions qui doivent être résolues pendant des périodes de stabilité. Je pense qu'il faut beaucoup réfléchir à cela. Tant que nos États seront dans un processus d'instabilité, dans des processus d'instabilité chronique, il serait difficile en fait qu'on puisse en fait réellement aborder ces questions-là de façon sérieuse. Et je pense que le pouvoir a changé de même, mais pour quelle finalité? Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce que ça va stagner? Est-ce que ça va réellement permettre en fait à la Guinée de décoller? On va revenir à vous. Youssouf Cissokho, est-ce que tout cela ne nous renvoie pas à la question de légitimité, de crédibilité, de sincérité de nos scrutins, puisqu'on ne peut pas se faire élire lors d'élections présidentielles et tomber aussi facilement, quelques semaines, quelques mois après, il y a un problème quelque part. Et bonsoir, chers téléspectateurs. Et ce que vous vous rappelez, il y a plus d'un an, nous dénoncions déjà le coup d'État constitutionnel mené par Alpha Condé pour se maintenir, pour briguer un troisième mandat. Je pense que Alpha Condé n'a pas été élu en réalité en 2020, parce qu'il a tout simplement tripatué la constitution pour se maintenir. Moi, je pense que c'est vrai, en bon démocrate, on doit condamner un coup d'État parce que la prise du pouvoir par une autre voie, par une voie autre que la voie démocratique, doit être condamnée par un démocrate. Mais franchement, il y a des coups d'État qui sont vraiment salutaires et sanitaires, pour paraphraser un cadre du RPM quand il y a eu les événements du 22 mars 2012 avec les AYA. Donc moi, je pense que honnêtement, il faudrait que nos chefs d'État comprennent que la démocratie est irréversible aujourd'hui et qu'on ne peut pas s'éterniser au pouvoir. On aurait peut-être pensé que Alpha Condé, qui fut en tout cas un emblématique leader d'opposition pendant 40 ans, en tout cas à deux régimes, au régime de Sékou Touré, au régime de Lassana Conté, on pensait qu'une fois au pouvoir, qu'il allait peut-être s'inspirer de l'exemple de Mandela pour peut-être briguer un mandat et puis passer la main en tout cas à une nouvelle génération. Mais on a vu qu'il a voulu s'accrocher et finalement il est sorti par la petite porte du soir. Je pense que son cas doit inspirer en tout cas d'autres chefs d'État et nous pouvons dire tout simplement à qui le prochain tour. Oui, Tchamel Guimayera, pour Youssouf Cissokho, il a paraphrasé ce ton politique selon lequel il y a des coups d'État salutaires, sanitaires, Alpha Condé qui sort finalement par la petite porte. Que dire si ce n'est que... Merci, bonsoir aux téléspectateurs. Que dire si ce n'est regretter cet acte? En républicain, je crois que la légalité voudrait
de s'opposer à toute prise de pouvoir par les armes et trouver que les contradictions au sein d'un pays, des populations ou une crise politique conduisent à cette extrémité-là, que le peuple ne s'entende pas et que le fer de lance, l'armée qui est appelée à protéger ce peuple, la prenne les affaires à main pour renvoyer tout le monde dos à dos. C'est de le regretter, de ne jamais encourager un coup d'État en républicain. Je crois que c'est regrettable ce qui arrive, mais il faut fondamentalement tirer la lame de fond. La lame de fond, c'est quoi? C'est cette crise du troisième mandat. Et ça ouvre le débat sur cette crise du troisième mandat. Est-ce que là également, le non-respect de nos lois, de nos constitutions ne conduisent pas à une hérésie. C'est encore une autre tâche à la CEDEAO. Malgré la sanction des pays dans lesquels des coups d'État se font ou se succèdent, ça, on ne trouve pas la solution. Alors, comment reposer fondamentalement le débat en associant les populations? Parce que tout ça, ça se fait au nom de ces populations-là. Si elles ne sont pas associées à la dernière décision pour trouver une solution et éviter chaque fois que, hélas, on revienne à la case de départ pour repartir à zéro. Est-ce qu'on repart réellement à zéro? En tout cas, que les crises finissent dans des casernes. Ce qui est curieux aussi dans ses propos, il n'a jamais dit qu'il a été arrêté. Donc moi, je resterai prudent. Je crois qu'un coup d'État, c'est des conditions internes, externes. Et on va voir comment tout cela va s'atteler, même si on est plus proche de la fin de ce régime que d'un rebondissement. Oui, maître Chakwa Konari. Oui, bonsoir à tous. Je crois que c'est la première fois que l'armée guinéenne renverse un président vivant. Généralement, l'armée a toujours renversé des présidents morts. Il a fallu attendre la mort de Sékou Touré pour qu'il y ait coup d'État. Ensuite, la mort de Lassana Conté pour qu'il y ait coup d'État. Alors, donc, pour la première fois, on renverse un président vivant. Mais ce que je note, au fond, Dadis, je ne le considère pas comme un président. Lui aussi, il a renversé quelqu'un. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes en train, en Afrique de l'Ouest, de fermer doucement, lentement, mais sûrement, la parenthèse démocratique ouverte avec le discours de la boule de François Mitterrand en 1990. Nous retournons aux années de Braise, des années 70, où il n'y avait en Afrique presque que des régimes militaires. Une parenthèse a été ouverte en 90. La démocratisation a été instituée, presque à marche forcée, mais les régimes des présidents dits démocratiquement élus ont déçu le peuple. Les États ont disparu, la corruption à ciel ouvert, des élections bidons, des institutions de pacotille, des démocraties au rabais. Alors finalement, le pouvoir est en train de retourner à l'armée et on est en train de terminer avec ces régimes bidons-là. D'accord. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir avec les coups d'État au Tchad, au Mali, maintenant en Guinée et une tentative au Niger. C'est une lame de fond qui est en train de travailler. Et il faut y prendre garde. Oui, il faut y prendre garde. Est-ce que cela ne nous amène pas aussi à parler, Mohamed Maïga, peut-être de l'incompétence, de l'inefficacité des institutions sous-régionales comme la CEDAO? On va voir un Goodluck Jonathan qui est attendu au Mali. Mais lorsque Alpha Condé était partant pour un troisième mandat, on n'a pas vu comme on l'aurait souhaité ces institutions-là. Peut-être c'est après le coup d'État, après coup, on va les voir sortir avec des communiqués. Est-ce qu'il ne faudrait pas approfondir aussi la réflexion sur nos capacités d'anticipation un peu de ces événements-là, de l'entrée de l'armée, du kaki au sein des institutions? Vous savez, c'est un peu déplorable. Je pense qu'une structure comme la CEDEAO ne soit pas en mesure, en fait, justement, de s'inscrire depuis des années, en fait, en réalité, de s'être inscrit dans une logique prospective sur le long terme, du moyen du long terme, avec un mécanisme d'alerte, effectivement, qui existe au niveau de la CEDEAO, mais dont on ne voit pas, en fait, l'efficacité. Je pense qu'il faut que les institutions sous-régionales, les institutions qui sont censées veiller à la bonne marche collective, s'attardent sur la réflexion au lieu de se tenir à des textes. L'Afrique de l'Ouest bouge,
en ce moment. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et il fallait s'y attendre, il fallait s'attendre à ce que les choses changent. Parce que, comme on l'a dit, la façon dont on a décrit la démocratie, dont on a voulu faire vivre la démocratie dans nos pays, n'était pas réellement adaptée à nos pays. Effectivement, ces institutions régionales devraient adapter leurs textes, devraient revoir leurs textes et les ajuster de façon sur le moyen terme, sur le long terme, sur du court terme aussi, à ces questions-là. Mais ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où, justement, ces institutions-là qui sont plutôt à pointer du doigt, parce qu'à chaque fois, c'est des discours différents, c'est des éléments de texte qui sont rappelés parfois, qui sont parfois difficiles à appliquer et qui sont hors contexte. D'accord. Youssouf Cissokho, lors de certaines sessions, le sommet de chefs d'État, dans les villes clos, on a appris que certains chefs d'État ont essayé de donner de la voix pour attirer l'attention de leur homologue sur l'inopportunité d'un troisième mandat. Pour ce qui concerne Alpha Condé, on a souvent entendu Ambalo de la Guinée-Bissau dire publiquement que ce n'était pas normal. Mais ça, c'est très rare. Ils ne sont pas suivis, ces chefs d'État-là, qui osent hausser le ton pour dire « attention, l'alerte devrait venir peut-être des institutions sous-régionales et oui, elles ne viennent pas ». Effectivement, avant de répondre à votre question, je voudrais dire à Maître qu'il faudrait comprendre aussi que les armées ont leur très grande part de responsabilité dans la déliquescence de nos États, puisqu'elles ont eu à diriger ce pays-là pendant des années. Donc moi, je pense que ce n'est pas parce qu'il y a des coups d'État à répétition que le pouvoir va retourner à l'armée. La démocratie est irréversible. Maintenant, pour répondre à votre question, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que la CEDEAO manque en tout cas de moyens coercitifs. Parce qu'en réalité, elle se limite tout simplement à des communiqués, à des condamnations. Il n'y a pas d'autres moyens. Même les sanctions sont inefficaces. Parce qu'en prenant, par exemple, des mesures, des sanctions contre tel ou tel État, vous voyez ce que ça va donner. C'est tous les États de la CEDEAO qui seront affectés pratiquement par ces sanctions-là. Donc moi, je pense qu'il faudrait réorganiser, en tout cas, les organisations sous-régionales pour que, en tout cas, ce genre de comportement... D'abord, exiger en amont que les chefs d'État se limitent, en tout cas, respectent leur constitution et que respectent leur peuple aussi, parce que en fait, en tripatouant les constitutions, généralement, on n'est pas très regardant par rapport, en tout cas, à la volonté du peuple. On veut tout simplement se maintenir au pouvoir, donc on tripatouille les constitutions. Moi, je pense qu'il faudrait que la CEDEAO essaie de tirer, en tout cas, des leçons de ce qui se passe actuellement sur l'espace CEDEAO et de prendre, en tout cas, des mesures qui s'y est pour éviter, en tout cas, qu'il y ait des coups d'État à répétition. D'accord. Tchambel Guimaera, on vient de suivre ensemble le colonel Doumbouya. Il dégage quand même une certaine sérénité. Quand on a vu les images de l'IS, ils ont paradé dans Conakry. Ce sont quasiment les mêmes images après les coups d'État. Mais très souvent, il y a des attentes, des insatisfactions. Est-ce que vous croyez en cette équipe-là qui puisse mettre la Guinée sur les rails? Tout ce que le colonel vient de dire, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des débuts de mise en œuvre par rapport à ces engagements-là? C'est un militaire, il a une formation toute faite et c'est un colosse, un géant qui rappelle le général de Gaulle par sa taille et son allure. Maintenant, un coup d'État ne se décrète pas, ça se prépare. Est-ce qu'on en est encore à un coup d'État consommé? Les circonstances internes et externes doivent se rejoindre pour qu'il soit consommé. Nous n'en sommes pas encore là. Je crois qu'il faut attendre comment vont réagir les différentes capitales et comment tout ça va s'atteler la population civile elle-même, comment elle va prendre cela. Maintenant, les raisons avancées nous renvoient inexorablement à la CEDEAO, à nos États, à la violation des constitutions, à la problématique du troisième mandat, à toute cette gestion de la démocratie comprise dans nos populations, au rôle de la société civile qui n'a pas été avant-gardiste, à l'avant-garde de ce combat-là pour agir et éviter cette situation. Nous sommes dans une situation où on ne peut pas donner un blanc-seing à ces hommes-là qui sont aujourd'hui arrivés. Il va falloir qu'ils passent par la case d'apprentissage, de gérer les affaires courantes, de se faire adouber ou accepter par la communauté internationale. La CEDEAO va-t-elle sanctionner encore la Guinée? Un médiateur sortira d'où? Goodluck Jonathan, il a du pain sur la planche à Bamako. Est-ce qu'un autre médiateur francophone cette fois-ci ou anglophone viendra pour porter le message, rencontrer ses militaires, fixer les limites, fixer des mandats? On n'en sait pas encore là. C'est tout frais. Et je crois qu'il faut souhaiter que le peuple guinéen, deux poumons des mêmes corps, cette célèbre citation de Sékou Touré qui revient sur la toile très souvent maintenant, ne s'égare pas.
ne se perde pas et que la Guinée ne prend pas de l'eau, parce que ce n'est pas bon pour la sous-région, ce n'est pas bon pour nous. Le retour des militaires aux affaires signale inexorablement la fin d'un cycle. Nous sommes à la fin d'un cycle pour tous ces États-là. Maintenant, cette fin-là, allons-nous comment la vivre? La démocratie aussi a ses exigences, c'est irréversible certes, mais ça demande une gestion méticuleuse où la société civile, elle bouge. Celle de 30 ans n'était pas en 91, ceux qui étaient venaient au monde ont aujourd'hui 30 ans. Ils rêvent d'un autre monde. Et donc c'est normal de voir ces velléités se lever dans tous ces pays-là. L'Afrique bouge et il faut que les dirigeants le comprennent, il faut que le monde le comprenne, il faut que nos autorités l'acceptent. Oui, Maître Konare, Tchambel Guimayara, il a fait allusion au président Sékou Touré et ça me donne envie de vous poser la question par rapport au parcours du colonel Doumbouya. Il est légionnaire et qui parle de légionnaire parle un peu d'odeur française. Un légionnaire français, entre guillemets, à la tête de la Guinée, de Sékou Touré, qui a dit non en 1958 à De Gaulle. C'est un paradoxe, mais l'homme qui a pris le pouvoir en Guinée est un Français. C'est-à-dire que jusqu'en 2018, il était enrôlé dans l'armée française au niveau de la Légion étrangère. Il a une épouse française et il a des enfants français. C'est un Français qui prend le pouvoir en Guinée. Et ça ne m'étonne pas parce que la métropole française a toujours eu la haute main sur ses anciennes colonies. Maintenant, je voudrais vous dire ceci. La CEDEAO est encore une fois interpellé. Cet organisme est une entreprise de pompiers qui vient à la rescousse des présidents qui tombent, mais elle ne fait rien pour combattre la mauvaise gouvernance lorsque les présidents sont en poste. Et c'est la mauvaise gouvernance qui débouche sur les coups d'État. C'est la répression des opposants qui débouche sur les coups d'État. Vous avez tort de penser que la démocratie est irréversible. C'est une formule qui est très jolie. Mais la démocratie qui est pratiquée chez nous en Afrique, ce n'est pas la démocratie. J'utiliserais plutôt un mot de Jean-Marie Le Pen qui parle de démocrature. C'est de la démocrature. Un pouvoir personnalisé, qui ne respecte aucune légalité, aucune légitimité. Le premier critère d'un régime démocratique, c'est la légitimité des dirigeants. Quand les élections sont tripatouillées à travers des troisièmes mandats ou autres, on ne peut plus parler de démocratie. À moins que vous ne vous contentiez de la coque sans contenu. D'accord. Maintenant, j'aimerais ajouter qu'aujourd'hui, l'affaire-là guinéenne va avoir une répercussion très importante sur le Mali. Parce que ce dont la junte malienne avait le plus peur, c'est un embargo de la CEDEAO. Et l'embargo signifie que nous n'avons pas accès à la mer de quelque côté que ce soit. Aujourd'hui, avec un pouvoir putschiste en Guinée, la route est libre pour la junte militaire malienne pour aller se ravitailler à la mer en Guinée. Donc la CEDEAO ne pourra plus décréter d'embargo. Et ça, c'est un encouragement au régime militaire malien de se maintenir au pouvoir. Voilà la principale répercussion que je vois. Un encouragement divin, alors. Mohamed Maïga, dans le discours du Nouvel Homme Fort, il a parlé de réconciliation. Il a mis l'accent sur la diaspora guinéenne en disant que cette fois-ci, ils vont éviter les erreurs du passé. Est-ce que c'est des messages qui rassurent en termes de renouveau pour la Guinée? Je pense que tout ça, comme Tchambel vient de dire, tout ça, c'est très frais. Les mots sont dits, on se rappelle chez nous aussi, il y a beaucoup de choses qu'on avait dit, qui avaient été dites au début. Maintenant, il faut attendre. Je pense qu'il faut Parce qu'il a parlé de nouvelle constitution qui va être rédigée par l'ensemble des Guinéens aussi. Je pense qu'il faut attendre. Il faut attendre. Il faut déjà attendre qu'on voit comment ils s'installent, qu'on voit si, effectivement, parce qu'ils ont parlé quand même d'un élément très important, de voir comment les Guinéens accueillent
ce coup. Parce que c'est eux-mêmes qui l'ont dit dans l'intervention à la télé. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une caution de légitimité qui est attendue de la part du peuple guinéen, qui a manifesté, effectivement. Bon, une partie a manifesté. On sait très bien que la Guinée n'est pas aussi simple à gouverner, parce qu'il y a toujours cette querelle ethnique qui existe. Et effectivement, on n'a pas vu Sélou d'Alain Diallo, pour le moment, parler de quoi que ce soit. Il y a d'autres éléments qui vont jouer en interne. Le discours est beau, mais le discours est trop frais pour le moment. Et je pense qu'il faut attendre quelques temps pour voir réellement si ces militaires-là sont en mesure, en fait, de justement conduire une transition ou en tout cas une autre forme de gouvernance transitoire, comme ils ont bien insisté là-dessus. Voilà. D'accord. Beaucoup de réactions sur Facebook. Al-Husseini Morba, un coup d'État ne peut pas prospérer dans un pays où tout va bien. C'est les conséquences d'un malaise général et d'une mal-gouvernance. Aboubacar Sidiki Diakité, après un coup de force constitutionnel, il faut s'attendre à un coup de force militaire. Alpha Condé a muselé et opprimé l'opposition politique. Baladi Diallo, bonsoir. Tant qu'il n'y aura des élections justes, il y aura toujours des coups d'État. Ousmane Koné, pourquoi citer ça, c'est pas courtois. Seydina Ali Cissé, la CEDEAO ne peut rien contre les coups d'État. L'élite de chaque pays doit être intègre. Deuxième sujet du débat du dimanche, je vous le disais, le pire a été évité vendredi dernier à Bamako, devant la maison d'arrêt centrale. À partir du groupement mobile de sécurité, des centaines de policiers ont marché sur la prison centrale. Objectif, libérer le commissaire Oumar Samaké, inculpé dans les tueries des 10, 11 et 12 juillet 2020. Youssouf Sissoko, le pire a été évité. Oui, le pire a été évité. Et c'est vraiment quand j'ai vu les images, ça, franchement, j'ai été indigné. Indigné et de la part, en tout cas, des auxiliaires de la justice comme les policiers, la police. Et j'ai été indigné parce que je me dis, est-ce que nous sommes réellement dans une république? Parce que quand on est dans une république, on doit, en tout cas, et respecter les lois de cette république. Maintenant que les policiers s'élèvent pour aller, en tout cas, pour aller marcher sur la prison centrale et libérer, en tout cas, leur frère d'armes, moi, je pense que c'est vraiment une... Je dirais que c'est vraiment très grave. C'est très grave et je pense que c'est un appel encore, en tout cas, aux autorités de la transition pour que, justement, ce combat qui a quand même débuté, parce qu'il faut le dire, le changement n'est pas tout de suite, en tout cas, une chose facile. Et c'est ce que ça veut dire. Et les gens, certains sont réfractaires surtout au changement. Moi, je pense que l'acte que les policiers ont commis, c'était un acte très grave qui doit être sanctionné. Et je pense que unanimement, ça a été condamné par tout le monde, puisque ce qu'ils ont réellement reproché, ça, c'est l'arrestation du commandant Samaké, et que les autres commandants n'ont pas été arrêtés. Mais ce qu'ils oublient, c'est que, en tout cas, la police, en tout cas, est un corps paramilitaire. Il peut pas, ces policiers-là ne peuvent pas être traités sur le même pied d'égalité que les gendarmes ou les gardes. Moi, je pense que, honnêtement, c'est une forte interpellation à la justice et aux autorités de la transition, parce que c'est comme une sorte de En fait, c'est l'autorité de l'État qui est bafouée comme D'accord. ça. Donc, il faudrait justement rétablir l'ordre et puis sanctionner les auteurs, en tout cas, de cet acte odieux-là. D'accord. La réalisation qui me signale que notre équipe de reportage qui était sur le terrain pour recueillir des impressions est rentrée. Si tout va bien, on pourrait suivre ce micro-trottoir réalisé par Éloi Togo. Là, ce que la police a posé là, vraiment, c'est négatif. Quand la justice prend quelqu'un, c'est pour certaines raisons, pour les enquêtes. Mais cela ne vaut pas qu'ils se forment en groupe pour aller libérer leurs collègues. Et ceux qui sont en prison, qui n'ont pas d'armes, comment ils vont faire? Ce que la police a fait là, en tout cas, c'est condamnable. On justice. Je pense que force doit rester à la loi. Bon, moi, je ne suis pas au courant de ça. Moi, je voulais qu'on laisse tout dans la main de la justice, quoi. Quelque part aussi, la justice doit faire son rôle. Il doit trancher de façon bien. Comme ça, si les choses ne sont pas tranchées de façon claire, il y aura des frustrés. Ces frustrés-là vont se joindre à la police et ça sera difficile. Que la justice soit correcte, vraiment, qu'il soit correct et tenir sur leurs droits. Parce que vraiment, nous, la population, on est fatigués. Non, moi, non. Moi, non, là.
Il peut pas attendre la justice d'abord, avant de réagir, avant de faire cet acte-là. Il faut qu'il attende la justice d'abord. Ce qu'ils ont fait pour moi, vraiment, ça n'a pas été bien pour moi, quoi. Voilà, il fallait pas ça. Mais s'il y a quelqu'un à remercier ici, c'est-à-dire les gardes pénitentiels, vraiment, moi, je les félicite parce qu'ils ont évité les peines de sang, quoi. Voilà, Mohamed Maïga, sur cette marche, hein, ce mouvement des policiers sur la maison d'arrêt centrale de Bamako. Bon, moi je pense que c'est déplorable pour l'image de notre pays et pour l'ambition qu'on a pour notre pays. Il faut se rappeler, il faut qu'on quitte un peu Bamako en réalité. Il faut se rappeler qu'à Antilit, dans toute la frontière, les frontières avec les trois autres pays, on a des gens qui sont exécutés, des gens qui meurent partout, qui n'ont aucune protection. Quand on a ici des gens qui meurent, quand on a une transition en place, quand on essaie d'organiser un peu les choses, il ne faut pas que ce soit les institutions républicaines elles-mêmes qui reviennent à la charge sur des questions de ce type. Je pense que la justice a beaucoup de travail à faire. Ce ne sera pas facile dans le cas du Mali, pour la justice, de récupérer toutes ses forces et de pouvoir appliquer la loi comme il faut. Ce qu'il y a actuellement, ce sont des signaux de justice, en réalité. Ce sont des signaux d'une justice qui a envie de se refaire et dont les Maliens attendent qu'il y ait des résultats. Maintenant, qu'on voit des institutions républicaines revenir à charge au vu de toute la population de Bamako, finalement, je me pose des questions. D'accord. Sur ce qu'on voudrait en fait de l'après, de cette transition de notre pays, de l'image, de ce qu'on veut faire. C'est, certes, je pense que la justice doit faire un autre type de travail qui peut-être est fait. Donc, le problème est qu'on n'a pas accès à l'ensemble de ces éléments-là parce qu'il y a toute une chaîne qui est questionnée sur l'intervention et les tueries de la. On a vu seulement une personne et d'autres personnes qui ont été déposées, mais il y a une chaîne de commandement au niveau de la justice, au niveau de la police. Donc quels sont les rôles des uns et des autres? Bon, on n'en sait pas, mais plan institutionnel, ouais, ça pose question. D'accord, Tchambel, on a entendu les responsables des syndicats de police faire allusion à cela, puisqu'ils disent que la Forçat est composée d'autres unités, la garde, la gendarmerie, et que c'est seulement le commandant police de la Forçat, l'ancien commandant, qui a été inquiété. Ils auraient souhaité que les trois ensemble, garde, gendarmerie, police, puissent être interpellés ou inculpés ensemble. Ils ont pensé que c'était une injustice. Au fond de la question, c'est une question de confiance. Moi, je crois qu'il faut faire confiance en la justice. Il faut faire confiance en sa justice, surtout quand on est auxiliaire de justice. On a vu la réaction de la magistrature par rapport à la question. Croyez-vous que les magistrats allaient laisser juger un auxiliaire de justice sans preuve? Est-ce qu'on peut agir dans un État contre tout le monde, en has-been, se rebeller dans sa ville et renvoyer tout le monde à dos? Croyez qu'on peut persister dans l'erreur? Il faut être républicain et appeler au calme, à la retenue et à reconnaître que nous sortons d'une crise séculaire difficile, certes, qui ensemble, petit à petit, pas à pas, aux autorités de tirer les leçons. Elle a eu le bon réflexe de ne pas en rajouter. On peut toujours trouver des insuffisances. À ceux qui attisent le feu, d'éviter, d'aggraver une situation. Il ne faut pas continuer à remuer le couteau dans la plaie. On n'y gagnerait rien à une rébellion, à encourager la révolte ou à inciter même à la violence. Certains tweets en disent, sans citer l'ancien ministre de la Justice, quand on accède à des postes de responsabilité, il faut savoir ce qu'on doit dire à des instants de crise. Il s'agit du Mali, il ne s'agit pas d'Assimi, il ne s'agit pas d'Ibeka, il ne s'agit pas de d'X ou d'Y, d'un auxiliaire de justice. Il s'agit de ce destin que nous avions à laisser à nos enfants. Et en pensant Mali, pensons-les positivement, travaillons à ce qu'on recolle ces morceaux-là. Parce que beaucoup de pays sont passés aux côtés du ravin, ils sont tombés dedans. Nous nous sommes parvenus à nous tenir en haut de ce ravin-là. Gardons l'esprit tranquille, restons droits ensemble. Aidons-nous à sortir de cette impasse. Ensuite viendra le jour du règlement de compte et le jour également de reprendre la politique politicienne.
L'heure n'est pas à cette politique politicienne. Aux autorités d'être très vigilants, de tirer les leçons. Aux autorités de justice, de savoir que cette justice, nouvelle justice dont on entend, dont on réclame tant, elle est l'œuvre de tout le monde. De ce citoyen-là également. Tu vois, dans cette rue-là, ces micro-trottoirs où des gens s'expriment librement, disent ce qu'ils pensent fondamentalement de comment la conduite est faite, de la justice est faite dans ce pays-là. Je crois qu'on y gagnerait tous à trouver une solution juste, à apaiser, à calmer, et au lieu d'attiser la haine, la rancœur et la violence qui n'aboutira à rien. Oui, Maître Konare, attiser, non, apaiser, oui, mais peut-être aussi en situant tout le monde devant ses responsabilités. Parce qu'on a vu d'autres commentaires selon lesquels ça peut être un précédent fâcheux aussi. Ce que les policiers ont fait relève de l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Au même titre que l'acte commis par les groupes rebelles du Nord, c'est puni de mort. Parce qu'on aurait, sans l'esprit de retenue des gardes pénitentiaires, on serait tombé dans un bain de sang. Maintenant, si j'étais à la place des autorités, je prendrais trois mesures. La première, reconduire Mani Militari, le commissaire, Samake, en prison. Parce que s'il n'est pas reconduit en prison, l'État perdrait toute légitimité à arrêter qui que ce soit désormais. Et l'État n'aurait plus aucune raison de garder d'autres prisonniers. La deuxième chose, c'est qu'il faut désarmer la police. Parce que ce corps qui fait office en fait de mi-figue, mi-raisin, est armé pendant qu'il se proclame civil. Il faut désarmer les policiers. S'ils sont civils, ils ne doivent pas porter d'armes. S'ils se disent militaires, ils n'ont qu'à aller au nord combattre. À ce moment, on les remilitarise. Et après la démilitarisation, il faut dissoudre les syndicats de police. Voilà les trois mesures qu'il faut prendre dans l'immédiat pour que les policiers sachent qu'ils sont de simples civils et qu'ils ne doivent pas user de leurs armes pour aller libérer un de leurs d'une prison. D'accord. Voilà. Okay. D'accord. Mohamed Maïga, on a vu le communiqué du gouvernement. C'était un communiqué assez prudent. On a l'impression que le gouvernement a joué la carte de la pédagogie, de l'apaisement. Certains commentaires sur les réseaux sociaux pensent que ce communiqué n'est pas à la hauteur des événements de vendredi dernier, que le communiqué aurait dû être beaucoup plus incisif, voilà. Bon, je suis sûr et certain que des membres du gouvernement ont pensé à une autre communiqué. Mais je pense que la sagesse a pris le pas sur toute autre forme de réaction par rapport à ce qui s'est passé. Et moi, je salue ce communiqué. Mais comme Maître l'a dit, il faut replacer les choses en leur place. C'est-à-dire que le communiqué de l'exécutif est un communiqué très bien, à mon avis. Parce qu'il n'y a pas besoin de rajouter déjà à une situation déjà difficile. Voilà, quelque chose qui vient de nulle part finalement et qui peut être explosif parce que des policiers ont les armes. Et effectivement, il faut signaler encore une fois le fait que les éléments pénitentiaires ont évité le bain de sang. Le gouvernement ne pouvait pas faire autrement que d'avoir la sagesse en fait de prendre du recul. Parce que moi, je considère ce communiqué comme une prise de recul. Mais cette prise de recul ne doit pas empêcher la sanction. Cette sanction, elle doit exister. Parce que tout le monde a besoin de ça. Et l'État même, l'exécutif même aujourd'hui, vu sa situation, a besoin de ça. Donner un autre jus à la justice, ça nécessite la sanction. Donner une autre perspective à la population, ça rappelle à la sanction. Donc cette sanction est irrémédiable et je pense qu'il faut la faire. Oui, puisque même dans le même communiqué, on a entendu que les procédures vont se poursuivre, les enquêtes vont continuer. On apprend que demain, les commandants gendarmerie et garde nationale seront devant le magistrat. Est-ce que vous pensez que les événements de vendredi dernier peuvent être à même d'influencer la justice quant au fait de vouloir rétablir toute la lumière sur cette tuerie-là? Oui, probablement oui, parce que quand on lit en tout cas le communiqué conjoint Sam Silma,
on sent quand même une certaine détermination de la part de la justice. Je pense que ça, c'est à saluer parce que pendant longtemps, nous avons tous décrié, en tout cas, l'attitude de la justice et surtout son image qui a été quand même longtemps ternie. Je pense qu'elle est prête aujourd'hui à se racheter, à, en tout cas à redorer son blason. Et moi, je pense que quand tu, par rapport au communiqué, moi, j'ai peut-être une double lecture. Il y a d'abord dans ce communiqué-là des mots très apaisants, puisque nous sommes dans un état quand même à terre. Quand on est dans un état à terre, il faut aussi priver en tout cas de tenir certains propos qui peuvent enflammer. Mais au-delà de ces mots d'apaisement, il y a aussi des mots fermes, parce que le gouvernement a dit clairement que alors, le processus va continuer et que tous ceux qui sont en tout cas impliqués dans telle ou telle chose, dans tel détournement ou dans telle tuerie, vont répondre en tout cas devant la justice. Moi, je pense que il faut quand même encourager la justice à aller dans ce sens parce qu'aujourd'hui, les gens sont unanimement, les gens ont condamné justement l'acte posé par la police. Et je pense que même si d'autres actes sont posés, et franchement, je pense que les policiers, il faut même se poser la question si ceux qui ont quand même eu l'initiative en tout cas d'aller à ça, s'ils sont conscients justement de la fragilité de l'État, et surtout que c'est les arguments qu'ils ont avancés sont des arguments fallacieux à mon avis, parce qu'il y a un général qui a été chef du renseignement en tout cas, qui a arrêté. Et leur commandant ne vaut pas mieux que celui-là. Il y a un ancien Premier ministre, il y a une ancienne ministre des Finances qui sont tous arrêtés. Donc moi, je pense que les arguments avancés par les policiers pour, en tout cas, organiser cette marche-là, c'est des arguments fallacieux. D'accord. Tchambel Guimaraes, est-ce que la marche de vendredi des policiers n'est pas une espèce de bouquet final à des petites entraves, sinon des grosses entraves à la manifestation de la vérité? Puisque bien avant ça, une fois on a vu les partisans de Ras Bat vouloir empêcher un procès au tribunal de la commune 4, même si Ras Bat lui-même il dit qu'il n'est pas au-dessus de la loi, qu'il est injusticiable. On a également vu des partisans de Mamadou Sinsin Koulibaly vouloir empêcher une comparution, même si Sinsin s'est dit lui-même justiciable. Des partisans de l'imam Diko empêcher une comparaison, même si Diko aussi dit qu'il est justiciable. Il y a eu ces petites choses. On a vu des religieux au camp 1. Est-ce que l'acte des policiers n'est pas le bouquet final, finalement. C'est regrettable, et que dire, la liste est longue, hein, elle est longue. Vous avez cité toute cette litanie de personnalités conviées ou convoquées devant la justice. Il faut reconnaître tout de même qu'on revient de loin. Cette justice-là est en train de renaître de ses cendres. Et cette renaissance-là, il y a des écueils, forcément, et ça fait partie des écueils. Mais c'est regrettable et c'est dommage que ces écueils-là viennent des auxiliaires de justice, viennent de ceux qui doivent accompagner pour ramener la confiance, pour aider à ce que cette justice... Donc vous comprenez pour les autres, mais pas pour les auxiliaires, sinon les officiers de police. C'est là où ça devient la double peine, parce qu'ils sont à mission. Ils reçoivent des commandement, des ordres d'ailleurs, comme ce commandant-là, il reçoit des ordres qui viennent d'en haut ou d'ailleurs. Donc l'État, c'est ça. Ils ne doivent pas répondre de ces ordres-là et je crois que la justice va être regardante par rapport à la réponse parce qu'il s'agit de la protection de ces mêmes juges-là qui sont appelés demain à mener la justice au nom du peuple. Elle se fait au nom du peuple. Donc on doit être assez regardant là-dessus. Donc, et ça, c'est quand même regrettable et c'est dommage. Je crois que les autorités vont tirer toutes les leçons. C'est vrai qu'ils ont apaisé dans le communiqué apaisement et fermeté. J'ai retrouvé ça là-dedans. Mais l'essentiel est la poursuite, qui est le jusqu'au bout, et cette fermeté-là que ça soutienne, que la reconstruction a de besoin des écueils, et ces écueils-là, il faut tirer les leçons en son temps venu et poursuivre, parce que on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. C'est difficile, certes, c'est exigeant, ça demande beaucoup d'engagement, et ça nous interpelle tous chacun à notre niveau. Même nous, de la presse, aujourd'hui, devant ce plateau-là, nous ne devons pas renvoyer une image de rebelle, une image de révolte. On ne doit pas inciter à la haine, à appeler à la vindicte. Et chacun est responsable face à cette situation. Donc, nous devons contribuer à cet accompagnement nécessaire, mais responsable sur la justice, sur la vérité, pour le peuple, par le peuple, parce que, finalement, c'est au nom de celui-là que la justice est rendue, c'est au nom de celui-là que les autorités agissent, c'est au nom de ce peuple-là aussi que ce commandant a été convié et répond. Et il doit répondre à ses actes comme tout le monde. Oui, Maître Konaré, vous êtes habitué des prétoires, vous connaissez la procédure. Est-ce que des actes de ce genre-là peuvent biaiser la procédure? C'est vrai, on a vu le communiqué du SAM et du Silima, ils vont aller au bout de cette affaire-là. Est-ce que vous pensez que ces manifestations-là, ces tentatives de dissuasion peuvent biaiser la procédure ou l'enquête? Oui, mais quelqu'un a été convoqué par le juge d'instruction. Il a été inculpé, puis placé sous mandat de dépôt. Mandat de dépôt signifie que
il va en prison. Des individus se disant policiers, armés, se lèvent pour aller le libérer de force. Mais si les choses restent en l'état, l'enquête est terminée. Vous ne pouvez plus arrêter personne. Puisque tous ceux qui sont susceptibles d'être impliqués dans les tueries des 10 et 11 juillet 2020 sont des officiers. Mais oui, ce sont des officiers ou des agents des forces de l'ordre. Puisque nous autres, on n'a pas d'armes. Alors, ce sera terminé de l'enquête sur les tueries. Ce sera terminé aussi de l'enquête sur les atteintes aux biens publics dans la mesure où l'État aura perdu la force d'arrêter qui que ce soit. D'accord. Et donc, ça veut dire que tout simplement, l'État aura cessé de disparaître parce qu'il aura disparu parce qu'il aura démissionné. D'accord. Il aura démissionné. D'accord. Alors, je vous rappelle que à partir de 21h, Africa Blog Télévision va aller en profondeur dans cette actualité avec une émission spéciale Justice État des lieux qui reçoit Maître Mamadou Ismaël Konaté, ancien ministre de la Justice, Daouda Issaka Tera, magistrat, Chérif Mohamed Kone, magistrat, et puis le quatrième invité, Maître Amadou Tchéoulé Diarra, avocat. Ils vont parler de cette manifestation des policiers et puis l'enquête, la procédure par rapport aux événements des 10, 11, 12 juillet. Ce sera avec Robert Dissa. Merci d'avoir suivi cette émission avec nos invités. Maître Cheikh Omar Konaré, avocat, Mohamed Maïga de Aliber Conseil, Youssouf Sissoko, Info 7, et Tchambel Gimbayara de La Voix du Mali. À dimanche prochain, Inch'Allah, pour un autre numéro du débat du dimanche sur Africa Télévision, la chaîne du continent.